dorime, interrimo ad appare dorime. C'est déjà un échec, c'est déjà un échec. Ameno, ameno, l'antire, l'antiremo, dorime. Ameno, o manare imperavi, ameno, timere, timere, mantiro, mantiremo, ameno. Les gars, je pense qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui le savaient. Donc, je vais pas trop faire chier plus longtemps. Le site Froget TV est enfin là. Et franchement, ça fait ultra plaisir de l'annoncer. On avait dit qu'il serait là il y a. Il y a un an. En fait. Il devait arriver pour TI5, et puis en fait non, il devait arriver pour le Major, et puis en fait non, il devait arriver pour le 14 février, et puis en fait non, et en fait, bah, il arrive pour le 1er avril, et il y a deux personnes qu'il faut absolument remercier, parce que bah, en fait, sans elles, il n'y a rien, sans elles, il n'y a pas de site. Et sans ces personnes, on n'aurait jamais pu le sortir. Alors bon, évidemment, je suis un connard qui buffer sur Twitch, c'est insupportable. Mais le site est là, et c'est grâce à Riddle et Yanis qui ont énormément bossé sur ce site. Alors je sais pas s'il marche déjà. Ah, oh, il est déjà sur FrogetTV.com, parce que pour la petite blague, j'avais demandé à Yanis, ouais putain les DNS machin, il l'a fait tout à l'heure, on savait pas si ça avait marché. Donc voilà, donc le nouveau site est là. Alors il y en a plein qui vont peut-être être un peu déçus. Sachez que pour nous c'est hyper important d'avoir un site, parce que c'est ce qui bloquait énormément de projets, et notamment l'organisation de tournois, parce que c'est le premier truc auquel on peut penser quand on pense à un site. Enfin, quand on pense à notre site, c'est la plateforme qui va permettre de gérer tous les tournois. Et sincèrement, c'est trop cool, parce qu'on va enfin pouvoir organiser des tournois, mettre du cash dedans. Il y a Shiba avec une petite équipe qui travaille dessus. Et voilà. Et franchement, ça va être stylé d'avoir enfin des vrais tournois français. On va voir si c'est réellement des vrais tournois français, mais voilà. Il n'y a pas de forum. On ne compte pas nécessairement en mettre un. Le forum, c'est un peu le truc de déchet. Enfin, c'est pas le truc de déchet, mais... On trouve pas ça hyper agréable, donc voilà, peut-être que par la suite on en mettra un, à vrai dire. Nous, notre forum, c'est le chat Twitch, et je pense que ça suffit largement. Du coup, pour l'occasion, il y a un tapis de souris à gagner. Et alors, non, il y a un autre truc très important, c'est qu'on peut mettre des news. Et ça, on va pouvoir écrire plein de trucs. Il y a notamment Darwin, qui écrit sur jeuxveuxonline.com.fr, qui fait des petits articles, et qu'on a déjà rédigé un peu, par exemple celui-là, qui est plutôt cool, le Marc Adotado. Bref, on va pouvoir faire des news pour annoncer les émissions. Et il y a d'autres trucs qui sont prévus. Vous avez un vrai calendrier, mon gars. Il y a un putain de vrai calendrier maintenant, qui sera probablement amélioré par la suite. Mais voilà, il y a un vrai calendrier. Donc ça, c'est juste trop cool. Vous avez une section staff, vous avez une section VOD, c'est trop cool, machin et tout. Vous avez une section news, il y a la section tournoi qui va arriver, il y a une section wiki qui va arriver, et ça va pas être un wiki pour expliquer Dota, ça va être un wiki qui va parler de la scène française. Ça, vous en saurez plus un peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre d'important qui va arriver? Il y a d'autres trucs, putain, j'ai oublié.
Il y avait un autre truc dont il fallait que je dise, mais je ne me souviens plus. Il est où le calendrier Chrome? Alors, cela dit, vous pouvez toujours vous abonner au calendrier Google Agenda. Alors, pour le coup, je ne sais pas trop comment on peut vous donner le lien. Peut-être qu'on pourra vous donner. Mais voilà, c'est le vôtre. Si vous avez, comme d'hab, des questions, froguetiver@gmail.com. Si vous voulez écrire sur le site pour faire. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce site ne va pas être un site d'actualité Dota. C'est pas du tout le but de ce site. Si vous voulez retrouver les résultats de la compétition Epicenter, ce sera pas ici qu'il faudra venir. Ça, c'est clair. Ce sera un site Dota, tout simplement. Donc, ça veut dire, dès qu'on aura envie de parler d'un truc, on viendra. Si on a envie de faire le résumé d'une compétition qui nous a marqué, on pourra le faire. On pourra présenter les tournois que nous, on couvre, parce que ça aura un intérêt pour les viewers, mais c'est à peu près tout. Bref, voilà. Le petit site est là. Et sincèrement, ça a été très long. Vous avez un premier article ici qui raconte un peu l'histoire du site, pourquoi il est là, enfin... Pourquoi il a mis autant de temps à arriver, etc., etc. Donc voilà, je vous ai même mis le concept board avec toutes nos idées de base dedans. Enfin bref, voilà. Moi, je suis hyper content qu'il sorte enfin. Il est magnifique parce que Riddle a fait un travail de folie. Et voilà. Et il devait arriver pour le 14 février. Malheureusement, on n'a pas pu. C'était trop la galère. Nous, on est des putains de fainéants. Riddle a été toute seule aux charges avec Yanis. On a dû tester les bugs. Sachez que j'ai fait des tests de bugs à l'instant parce que je suis un connard qu'on n'a jamais fait. Et voilà. Mais sincèrement, je suis trop cool de lancer ce site. Bref, moi, je vais chercher la game parce qu'à mon avis, je suis trop en retard. Je vais dire bonjour à Hugo aussi parce que Hugo, il est juste à côté de moi. Attends, j'écoute un chauve qui parle. Ah, pardon. Bon, écoute. Ah ouais, putain, on est carrément à la bourre. Ok, on se lance rapidement l'intro du coup, parce que forcément, voilà. En fait, ils ont... C'est à cause de Yu Yu et Shiba qui ont eu énormément de retard avec leur BO3 à la con. En fait, on avait prévu que le BO3 finisse un peu avant. En fait, pas du tout. On est à la bourre, intro. T'es dans la game? Bien sûr. Bien sûr. Et intro.